avant d'aborder le cœur du sujet, qui se situera principalement au XXe siècle, puis un peu aussi au XXIe, mais surtout au XXe, je voudrais juste citer deux faits qui me semblent tout à fait symptomatiques de l'intérêt croissant qui va se propager parmi les compositeurs pour les musiques traditionnelles. Le premier, c'est en fait un propos de Berlioz dans ses écrits, dans ses carnets. Berlioz parle des opéras chinois, et alors il utilise des termes mais qui sont d'un racisme musical extravagant, alors que lui d'habitude avait une position très judicieuse par rapport à la musique. Là, il parle des opéras chinois comme de miaulements de chat. Donc c'est absolument terrifiant, on a l'impression qu'il y a une mécompréhension totale de sa part de ce qui échappe aux musiques occidentales. Et très peu de décennies plus tard, par contre, Debussy va visiter l'exposition universelle à Paris, et là, il découvre les musiques balinaises, et là, c'est la stupéfaction pour lui, c'est l'admiration sans borne. Par exemple, pour lui, il trouve que c'est aussi admirable que les grandes polyphonies du Moyen-Âge. Donc là, on a vraiment franchi un cap, et on est enfin sorti de cette espèce d'eurocentrisme et d'incapacité d'envisager la musique autrement qu'à travers les théories savantes. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, je dirais que lorsque l'on considère le rapport entre musique de tradition orale et musique écrite, il y aurait trois tendances. Encore une fois, pour essayer quand même de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que c'est évidemment une très très grande richesse. Alors, une de ces tendances est de nature centripète chez les compositeurs qui cherchent à renforcer le sentiment de leur identité nationale. Tels Manuel de Falla, Janáček, Szymanowski, ou encore les compositeurs de l'ère soviétique comme Shostakovich, Khachaturian, etc. Et on pourrait en citer des dizaines. Une autre serait plutôt de nature centrifuge, c'est-à-dire chez des compositeurs qui tentent de reprendre à leur compte des musiques traditionnelles très éloignées de leur contexte culturel. Par exemple, Messiaen, qui, ne serait-ce que temporairement, s'est projeté dans les rythmes de l'Inde, ou encore dans la culture japonaise, je pense au set haïkal, par exemple, de Messiaen, ou encore plus près de nous, Jean-Claude Eloye, lui aussi par rapport aux musiques japonaises. Et puis, une troisième tendance couplerait ces deux-là, par exemple chez Bartók, qui a exploré les musiques traditionnelles de son pays, la Hongrie, et d'autres qui se situent à proximité, comme la Roumanie, la Bulgarie, mais qui a également élargi son champ d'investigation aux pays arabes pour analyser dans quelle mesure on pouvait trouver entre ces musiques des archétypes communs. Plus près de nous, Ligeti, fortement ancré au départ dans les musiques traditionnelles hongroises et s'inscrivant à ce propos dans l'héritage de Bartók ou de Kodály, puis voyageant à travers des musiques d'horizons très distants, par exemple les musiques des Pygmées, avant de revenir vers la fin de sa vie à ses sources hongroises. On pourrait envisager enfin une quatrième voie avec des compositeurs qui, eux, visent plutôt une démarche transgressant délibérément les frontières et les appartenances géographiques. Après la Seconde Guerre mondiale, on a en effet pu constater, au sein des mouvements les plus radicaux de l'avant-garde musicale, une incontestable méfiance vis-à-vis des écoles nationales. Stylistiquement, les compositeurs adhérents aux démarches du sérialisme, aussi bien que ceux qui s'orientent vers la voie de l'indétermination, ou les expérimentations électroacoustiques, tentent à remettre en question une dépendance par trop affirmée à l'égard de tout héritage culturel prédéterminé. Dès lors, les échanges de vues entre compositeurs se feront bien plus en fonction de courants de pensée que de critères géographiques. Les idées circulent de manière véritablement internationale, tout au moins à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, puis aussi bien sûr le Japon. Quelques hauts lieux de recherche s'imposent alors, Darmstadt, Donaueschingen, Cologne, Milan, plus tard en France, Royan ou La Rochelle, où travaillent et étudient les compositeurs de toute nationalité, dans un grand brassage. Mais on peut se demander si l'internationalisme quelque peu factice qui prévalait ainsi au cours des années 60 ne risquait pas de mener à un nouveau conformisme en raison de la mise entre parenthèses des divergences culturelles qui existaient de fait et qu'il était peut-être parfaitement illusoire de vouloir gommer. On s'est assez rapidement rendu compte que les productions d'un Berlioz, d'un Ligeti ou d'un Stockhausen ne se laissaient pas si facilement détacher du contexte culturel propre à chacun d'eux et qui était marqué par un certain environnement national, malgré l'approche, somme toute, phénoménologique
délibérément abstraite et générale du son et de la composition, dont témoignaient leurs recherches, tout au moins dans un premier temps. Les pratiques traditionnelles liées à un contexte national ou régional précis vont, malgré tout, entrer à nouveau dans la sensibilité créatrice de nombreux compositeurs qui ne peuvent pas se satisfaire de cette sorte de censure un peu trop prudente par rapport aux appartenances nationales, mais selon des modalités très distinctes de ce qui s'était passé au cours de la première partie du XXe siècle avec Kodály, Bartók, Faya ou Janáček. On y trouvera sans doute les signes d'une réaction contre l'indifférenciation stylistique que risquait d'entraîner l'application dogmatique, voire impérialiste, de certains modèles de pensée. Force est alors de constater que les pratiques traditionnelles apparaissent de plus en plus menacées dans leur autonomie par l'invasion d'ersatz de produits culturels issus des pays économiquement les plus puissants, médiatisés en conséquence, et qui tentent à engendrer un état de complet nivellement à l'échelle de la planète. On est toujours évidemment dans cet état-là aujourd'hui. Et c'est là où nous avons, nous, les musiciens de la musique contemporaine, de très grands liens déjà avec les musiciens de musique traditionnelle, puisqu'en fait, mise au ban de l'industrie discographique et des médias, les musiques contemporaines connaissent une situation de marginalité qui n'est certes pas étrangère à celle que subissent certaines formes de musique traditionnelle aujourd'hui. Rejetées hors la loi des circuits de consommation, de la politique de la distraction et des loisirs culturels, ces musiques ne contiennent-elles pas les germes de quelques volontés communes, ne serait-ce que l'affirmation d'une nécessaire indépendance vis-à-vis des modes et modèles imposés de l'extérieur, de toute obéissance à un ordre ou des critères de sélection préétablis. À travers leurs traits spécifiques, elles paraissent elles aussi tenter de résister au mouvement de banalisation et aux prétentions cosmopolites de la production musicale industrialisée. Et ça déjà, nous l'avons donc encore une fois en commun. Pour mieux cerner les différentes modalités de confrontation entre musique de tradition orale et musique écrite, ou encore musique populaire et savante, bien qu'encore une fois je me méfie un peu de cette discrimination, je proposais quatre axes. Le premier, assurément le plus pratiqué, comprendrait les œuvres basées sur des mélodies préexistantes, soumises à toutes sortes de procédures d'accompagnement, d'harmonisation. Le deuxième consisterait à se servir d'enregistrements de musique traditionnelle, soit dans des productions électroacoustiques ou radiophoniques, soit dans des pièces mixtes, ce qui correspond à une manière de collage. Le troisième supposerait d'utiliser des instruments traditionnels, avec ou sans référence explicite à leur répertoire, éventuellement de les mélanger à un instrumentarium classique. Et le quatrième impliquerait d'inclure des musiciens traditionnels dans le projet même de la composition. Voilà un petit peu, si vous voulez, les quatre axes que je vais développer pour vous avec, bien sûr, des exemples à l'appui. Alors, donc le premier axe serait un matériau d'emprunt. Un des exemples les plus représentatifs à ce propos serait les folk songs, qui datent de 64, de Luciano Berio, qui s'est très tôt intéressé aux musiques traditionnelles, au folk et au jazz. Cherchant à transgresser la frontière entre musique savante et populaire, il disait volontiers que les abagnate, c'est-à-dire les chants de marchands siciliens, lui rappelaient le grand air d'Orfeo de Monteverdi par la séduction et l'ornementation vocale. Les folk songs, qui est une pièce qui a eu beaucoup de succès, ont été écrites avant tout pour sa femme Cathy Berberian, la chanteuse, qui se singularisait par des possibilités de timbre vocal hors du commun. Berriot a donc voulu rassembler et arranger des chansons de tout pays d'Europe et d'Amérique qu'il avait découvert par ses amis ou par le disque. Alors je vais déjà vous faire écouter un premier exemple, donc un extrait des folk songs. Something rosy there.
certainement très différent, si vous connaissez un peu Berlioz, c'est très différent de, d'autres œuvres de Berlioz. C'est vrai qu'il y a un côté fortement mélodique, qui est tout à fait assumé. En fait, c'est une pièce donc, pour un petit ensemble instrumental, cet instrument, et il voulait suggérer et commenter les racines expressives, c'est-à-dire culturelles de chaque chant. Là, j'emprunte ses propres mots. Il emploie par exemple l'alto, en double corde, pour suggérer le violoneux de country dance dans la première chanson américaine que vous venez d'entendre, etc., etc. Alors, ça c'est un premier cas donc, par rapport à Berlioz, sur lequel je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Alors, un autre compositeur qui s'est vivement intéressé aux musiques traditionnelles, c'est Ligeti. Ligeti s'est intéressé aux musiques traditionnelles africaines, notamment du Centrafrique, notamment en fonction de son intérêt pour la polyrythmie. Du point de vue de la rythmique et de la métrique, deux influences ont été décisives pour ma musique des années 80, dit-il. D'abord, la complexité polymétrique de Columban Caro, des pièces pour piano mécanique, et ensuite la très grande diversité des cultures musicales non européennes. Parmi ces dernières, je me suis intéressé en particulier à la musique des Caraïbes, au folklore Banda Linda et Pygmée de la République centrafricaine, une musique polyphonique d'une richesse rythmique inégalée, que j'ai connue grâce aux recherches du musicologue Shima Arom. Mais toutefois, l'attirance de Ligeti pour les musiques de tradition orale remonte évidemment beaucoup plus loin et coïncide notamment avec l'influence que Bartok a exercée sur lui. Ce qui est très curieux, c'est que vers la toute fin de sa vie, on retrouvera l'empreinte des musiques roumaines, par exemple dans le premier mouvement de la sonate pour alto, Ora lunga, ce mot qui signifie chant long, renvoie à un genre vocal basé sur des variations à partir d'une mélodie simple, répétée et soumise à des ornementations. Son caractère de nature mélancolique est celui des doina, ce qui signifie en roumain lamentation, improvisation jouée en tant qu'introduction d'une suite de morceaux. A noter que cette mélodie permet à Ligeti de travailler sur une échelle non tempérée, c'est-à-dire d'échapper à la division des 12 sons, et de travailler notamment sur les harmoniques naturelles. Alors je vais vous faire écouter donc un extrait de cette sonate pour alto de Ligeti. Donc, il y a aussi une autre pièce dans ce genre-là, c'est Passacalli à Ungherese. Ces deux pièces sont à la fois ironiques, hongroises et pop. Elles sont conçues comme des annotations aux compositions de certains de mes étudiants et comportent en même temps un aspect polémique. Je suis en effet assez critique à l'égard de la tendance néotonale et néoromantique. Et j'ai essayé dans ces pièces de discuter en quelque sorte sous la forme d'un pastiche au lieu de le faire verbalement. De caractère consonant, à la différence des autres œuvres de l'époque, leur structure est relativement simple, volontairement. Par exemple, la mélodie de Hungarian Rock,
qui comporte les éléments typiques du folklore hongrois, est constamment accompagné par un ostinato de quatre mesures, un petit motif donc qui se répète, la ligne mélodique de la basse identique à chaque mesure donnant lieu à une harmonisation différente dans chacune des mesures. À l'audition, Hungarian Rock fait immédiatement penser à certaines musiques populaires, jazz, rock, surtout par son style très rythmique. Du reste, Ligeti évoquait souvent la musique des Beatles à propos de cette pièce. Donc voilà un extrait de Hungarian Rock. Pacha, pacha, mare. Thank you.
troisième axe, ce serait l'intégration d'instruments traditionnels. Bon, là, par exemple, c'est ce qui s'est passé, notamment chez Toru Takemitsu, qui est un des plus grands compositeurs japonais du XXe siècle. Donc, pour lui, son but, c'était de fonder une musique sur l'énergie inhérente à chaque son, sans aucunement relier le passé, un passé où l'enseignement occidental entrerait en dialogue avec l'imprégnation des traditions orientales. Voilà le propos, si vous voulez, de son œuvre. Voilà ce qu'il dit, « La forme de ma musique est le résultat direct et naturel que les sons s'imposent d'eux-mêmes et que rien ne prédétermine au départ. Je n'essaye en rien de m'exprimer à travers les sons, mais en agissant sur eux, l'œuvre jaillit d'elle-même. » Alors voilà par exemple ce que ça peut donner. Je vais vous faire écouter un extrait de November Steps. Antinomie entre la formation occidentale qu'il a eue et la tradition extra-européenne, mais au contraire faire se combattre les deux blocs. Ainsi, je ne m'éloigne pas de la tradition, tout en avançant avec chaque œuvre nouvelle vers l'avenir, je voudrais atteindre un son aussi intense que le silence, car faire vivre le vide du silence, c'est faire vivre l'infinité des sons. Alors, un autre compositeur qui est un peu... qui a tenté toutes sortes de confrontations, mais qui lui est un compositeur tout à fait occidental, c'est Mauricio Kagel. Alors, Mauricio Kagel donc, est un compositeur argentin qui a vécu en Allemagne, et donc il y a plusieurs œuvres de lui qui se réfèrent à des instrumentations ou à des genres musicaux populaires, ou en tout cas extra-européens ou populaires. Alors, par exemple, il y a une pièce qui est tout à fait étonnante, qui s'appelle « Exotica », où les musiciens, en fait, ils doivent avoir au moins 10 instruments inconnus dans la tradition musicale européenne du dernier siècle. Les interprètes inventent leur propre texte linguistique, lequel, en accord avec la tendance de l'œuvre, doit être prononcé en imitant le son de langue non européenne. Les interprètes doivent toutefois exclure tout effet comique ou caricatural. L'utilisation d'instruments exotiques poursuit, selon Kagel, un double objectif. D'un côté, montrer la richesse du son acoustique des musiques traditionnelles. D'un autre côté, mettre le musicien dans une situation qui le pousse à inventer des musiques partiellement imprévisibles quand il joue d'instruments qu'il ne maîtrise pas techniquement. Voilà ce qu'il dit. J'ai toujours eu le désir de composer une œuvre dont la condition essentielle réside pour chacun des exécutants dans le fait de ne pas jouer l'instrument auquel il est entraîné depuis des années.
mais uniquement un instrument dont il ne possède pas la technique. Voilà. En fait, la stratégie de Kagel consiste à aborder l'exotisme de biais. Le compositeur ne compose pas de la musique exotique, il prend plutôt l'exotisme comme objet de composition, faisant quelque part du méta-exotisme. De cette façon, Exotica devient un essai de critique musicale stricto sensu de la passion européenne pour le déplacement géographique et historique. Dans un sens plus particulier, elle est aussi une critique de l'hédonisme sonore, caractéristique de l'exotisme musical des années 60. Voilà ce qu'il dit, celui qui écoute cette œuvre est confronté à un monde sonore que peut-être il ne peut pas localiser avec précision. S'agit-il de parodies de musique asiatique, africaine ou orientale? Sont-elles, ces pièces, des copies stylistiques qui, malgré certaines tribulations, représentent l'aura et les traits des originaux? Est-elle exotique, la musique qui en résulte, parce qu'elle a été transformée par la plume d'un compositeur occidental, ou plutôt parce qu'avec de tels instruments caractéristiques, il n'est pas possible de produire une musique typiquement occidentale? Donc voilà un petit extrait de Exotica. Donc l'instrumentarium était joué par 6 musiciens qui portaient plus de 200 instruments provenant de cultures musicales d'Afrique, de l'Océanie. Dans son tango allemand, qui est très très différent, qui est 78, et qui sonne argentin pour les Allemands et allemand pour les Argentins, selon Kagel lui-même. Kagel étant considéré lui-même en Amérique latine comme un Européen, en Europe parfois comme un Latino-Américain. Donc voilà un petit peu un extrait de cette pièce de tango allemand de Kagel, qui est très très étonnante, parce qu'en fait c'est vraiment les gestes du tango, mais complètement transfigurés par un compositeur qui les un petit peu comme si, comme dans les peintures cubistes, hein, si on la déstructurait. Et puis alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que dans cette version-là, c'est lui qui chante. Voilà, donc un extrait de Tango allemand. Manera imparare
C'est ce que j'appellerais des pratiques transculturelles, c'est-à-dire où il y a donc la possibilité de faire appel. Bon, c'était déjà le cas, là, on va revenir à Totkimitsu pour une pièce très étonnante qui reprend en compte les éléments forts du gagaku, donc une musique purement traditionnelle. Mais là, donc, il avait déjà utilisé des musiciens traditionnels dans November Steps, mais là, il le fait encore plus dans cette pièce qui s'appelle In an Autumn Garden, puisque là, c'est uniquement une pièce pour un orchestre de gagaku. Donc il joue quelque part, c'est très très spectaculaire, parce qu'en fait, il semble jouer ton sur ton avec les modèles originaux. Le compositeur traduisant dans cette œuvre son attachement profond à ses racines culturelles. Il ne s'agit toutefois pas d'une imitation de quelques musiques de gagaku, puisque Takemitsu y inclut plutôt ses propres préoccupations formelles et son approche du timbre. Une analyse du vocabulaire harmonique montre en effet que les techniques qu'il déploie se rattache dans une large mesure à ses œuvres antérieures. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal. Donc je vais vous faire écouter d'abord du gagaku authentique. Ça, c'est pas tellement authentique. Ça, c'est quand même plus gagaku. Thank you.
Vous voyez, c'est un peu comme une espèce de ramification par rapport à la musique d'origine, mais en fait, c'est pour celui qui connaît bien la musique de Gagaku, les modèles ne sont pas respectés à la lettre. Il y a vraiment une interprétation de sa part qui s'inscrit dans la lignée de ses propres préoccupations, à la fois formelles, harmoniques, etc.